Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre toutes mes créations. Donc voilà une partie de mes porte-clés, également des paperclips. Donc tout cela sont vernis avec de la résine UV. Il y a quelques créations en résine. Ensuite, des créations en résine, donc des petits colliers. Et des bagues, donc une patte de chat et un petit nœud. Deux boîtes que j'ai réalisées avec la résine E-White de chez Resin Pro. J'ai fait deux boîtes cœur avec, que j'ai décorées avec des PA. Voilà tous mes porte-clés. Là, je vous montre les deux cadres que j'ai fait. Donc, deux cadres en bois que j'ai décorés avec de la Fimo. Pour mettre des photos. Deux plaques de chambre, donc une plaque avec Elsa et Anna et une autre plaque avec une fée papillon. Donc tous mes médaillons et colliers. Tous les colliers petite fille. Donc quelques bijoux et bracelets brésiliens. Deux plaques de chambre, donc là c'est des anciennes créations qui datent d'environ il y a 2-3 ans. Donc voilà plein d'anciennes créations. Donc il y a des broches, des bagues, une plaque de chambre et des petits personnages. Voilà un exemple, donc c'est une petite broche ourson. Tous
mes pots décorés. Donc c'est des pots de confiture. Deux décorations de Noël, donc un bougeoir et un petit Père Noël. Tous mes porte-photos filles, donc avec des princesses Disney, un peu de Hello Kitty. Les porte-photos garçons, donc avec Astérix, Obélix, Spider-Man, Tiki-Tac. Voilà mon tableau de magnettes, donc avec toutes les magnettes que j'ai faites. Il y a un petit peu de tout. Voilà pour toutes mes créations. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout... Et surtout, abonne-toi.